Et de retour, j'espère que je vous ai pas trop manqué. N'hésitez pas à me faire encore des retours sur savoir si ça fonctionne mieux ou pas. J'avais monté les FPS tout à l'heure et là je les ai rebaissés pour voir si ça vous paraît un peu mieux. Et en gros j'ai remis les stats que j'avais mis au départ. Normalement ça n'a plus de problème. N'hésitez pas à sur 3 autres streams et là pas de problème. D'accord. Donc n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur... Comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'ai eu un petit souci, c'était dû à ma connexion et non dû à OBS et j'avais du coup un petit peu perfouillé à tout. Donc là normalement j'ai remis tout comme il faut, donc j'espère que ça va mieux. Enfin, cette galère est interminable. C'est bien mieux, ok. Et bien merci à vous d'avoir dit de m'avoir fait part du problème, ça permet de régler tout ça. D'ailleurs là c'est nickel. Ah voilà, tout est bien qui finit bien. Donc du coup je voulais vous parler d'un truc en plus de j'ai tout juste de penser en fait avec le PP. Mon camarade de stream qui joue aussi à F14. Donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent nous rejoindre sur le serveur Panier Rock, on n'a pas forcément la possibilité d'intégrer à la compagnie libre. Du coup on s'est dit pourquoi pas se faire une nick shell avec tous les gens du stream, en gros une nick shell, les chevaliers du stream. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur le chat si ça vous intéresse. Avant ça, je ne vais pas faire un strobole vu qu'il y en a déjà un qui tourne pour autre chose. Du coup, je vous en parle là maintenant. Et dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée ou non. Comme ça, ça permettrait d'être à la... d'aider en gros. Et de... C'est un peu comme une compagnie libre en fait. Même si c'est un peu... un petit peu plus différent. Mais bon. Ça permettrait comme ça si vous avez besoin d'aide pour un truc, vous le demandez, puis sur les nichelles, enfin, tout ça. Une nichelle, c'est quoi? C'est un peu comme un groupe discussion. La extinction de voix, je suis rien. 30 secondes. De retour, normalement ma voix est revenue, en théorie. On a un tir repoussant, je pense. Alors, tir à blanc. Merde, on peut le faire sur lui. Mmh. Ça l'a pas fait du tout. Mais c'est parce que je l'ai pas fait du tout. Ah, on refait. 6. Ah, c'est bien ce qu'on sent, mais on a un tir repoussant. Si cela se fait, je prends un ticket pour novembre. Eh bien, pas de soucis, je pense qu'on va le mettre en place. C'est PPP qui a eu l'idée tout à l'heure, qui m'a fait penser. On n'a pas trop parlé de ça, on a plutôt pensé à autre chose et je pense qu'on va le mettre en place. Je vais en parler avec Apemi, je sais pas si vous vous rappelez de son petit camarade qu'on avait croisé, que je revois plus trop sur le stream, c'est dommage. Mais je l'ai recroisé tout à l'heure, enfin hier, il était en train de pex, il est passé level 60 quasiment en même temps que moi. Donc oui, j'ai atteint le niveau 60 avec mon barbe. Est-ce que je l'ai atteint hier? Oui, je l'ai atteint hier, non. D'ailleurs, je voulais m'excuser de l'absence d'hier, j'ai en fait un petit truc à régler. Personnel, administration, enfin, toute sa splendeur. Alors, hop, je sais pas quoi ça sert. 60? Oh oh, GG. Eh bien, merci. Oui, donc 60, j'ai fait bloquer tous les donjons qu'il fallait, du coup j'ai la roulette d'expert. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai fait ça, j'ai débloqué Bismarck. De toute façon, vous savez qu'il y a Bismarck dans l'extension, on l'a vu. Donc j'ai débloqué en gros le premier primordial en extrême. Je ne l'ai pas encore essayé. Parce qu'honnêtement, je crois que ça risque d'être chaud. On m'a dit que c'était un peu les mêmes mécaniques que Titan en gros.
Autant vous dire que c'est tendu, quoi. Et à l'heure actuelle en barde, je ressemble à rien pour l'instant, du coup je vous montrerai pas. On va regarder notre stuff s'il faut le réparer. Hélas, oui. Il a pris une grosse claque. Armure. Non, je vais faire armure. Enfin, réparer du moins. Réparer. Si. Alors. Et du coup, en attendant, vu que j'ai monté mon level 60, je farme les juridiques, qui sont les nouveaux mémo quartz, qui permettent d'être échangés contre du stuff level 160, je crois, sans dire de bêtises. Je vais vérifier ça. Parce que j'ai acheté une ceinture, voilà, donc c'est du 170. Que vous pouvez après améliorer avec des items qui se monnaient contre des comment ça s'appelle ça là, des insignes centuriaux que vous débloquez grâce à la chasse et que du coup vous améliorez votre stuff en 180. Et là j'essaye d'économiser pour en avoir 515 pour acheter l'arme. Que je vais donc aussi essayer d'économiser les centuriaux pour améliorer en 180. En gros, j'ai pas mal de farming qui m'attend. Ah, n'hésitez pas à poser de questions si vous en avez. Alors, on était sur les techniques de... Ah, on a une aléa qui vient de se débloquer? Non, du tout, je viens de me faire bait. Alors, vous portez une attaque physique sur la cible, rien de très particulier, que sur la cible quand elle est à 20%. Donc comme ça, on l'a vu tout à l'heure, inflige pesanteur sur la cible, partage le même cooldown qu'écorche-pied. Donc écorche-pied, c'est lequel? Écorche-pied, c'est où? Ah, c'est celui-ci. Celui-ci, il fait quoi? Vous infligez entrave à la cible et cessez d'attaquer. Ok. Donc là, c'est l'espèce de mini AOE, en gros, qu'on a. Donc là, on a un excellent sur le retour. C'est plutôt génial. Ah oui, il y a une bonne qualité. Je suis pas forcément mécontente de moi, tiens. C'est rare que je regarde mon retour, donc du coup, j'en profite. Voilà. Alors, on a la vidéo qui est upload sur YouTube de mon dernier live. Et donc c'est GG. Et toute une galère pour pouvoir upload ces VOD de mes lives. Vous imaginez même pas quoi c'est. Il a fallu que je la. En gros, je me record en train de stream. Enfin, bref. Un calvaire. Pas mécontente d'avoir trouvé non plus une solution parce que j'ai quand même pas mal de lives qui ont dû sauter, du coup ça m'attriste fortement. N'hésitez pas à demander si vous voulez voir une autre classe que celle-ci, parce que du coup je partirai sur autre chose. J'ai décidé de faire du machinique, mais je suis pas non plus réticente à l'idée de vous montrer autre chose. Oh, 146 de dégâts, c'est pas moche, il me semble. Il va peut-être falloir qu'on achète du stuff un petit peu, parce que là on est level 23, c'est pas fameux. Donc on est toujours disponible sur les réseaux sociaux et j'essaye de les mettre un petit peu à jour avec le Facebook. Alors n'hésitez pas à aller liker la page, on n'est que 10 dessus. C'est triste, on pourrait tellement être plus. Donc faites-moi penser à créer cette chaîne. Je suis en train de mourir. Potentiellement, j'aimerais qu'on me donne de la vie. Apparemment, on n'a pas de... Il y a du Dark Knight dans le coin. Mais pas d'astromancien, on dirait.
c'est qui m'a revu? Un astromancien, là. Non, s'il vous plaît, dommage. Non. Il est où celui-là qui m'attaque? Je le vois pas. Je l'ai en cyber. Ah bon. Ok, viens par la manche. Alors, on est parti en live pour une petite heure, je pense. Ce sera déjà pas mal. Enfin, une bonne VOD, ça, genre, plus ça va être coupé, c'est triste. Je sais pas comment je vais bien pouvoir me débrouiller pour que les deux morceaux soient présents. Pour ma part, tu joues la classe qu'il te plaît, ça améliore. Bah, en somme, je suis pas une grande fan de continuer plusieurs fois, enfin d'XP plusieurs classes en même temps, mais ça permet de découvrir comme ça, découvrir en même temps, et après on continuera avec une classe en particulier, on rushera une seule classe. Le prochain stream, ce sera sûrement peut-être pas forcément du leveling, mais j'ai pas encore trop d'idées. Je ne peux pas vous faire non plus de nocturne sur du farming fate. Pas intéressant du tout. Puis vous montrer l'extension, c'est un peu du spoil. J'aimerais bien vous montrer des donjons, mais c'est un peu du spoil quand même. Heureusement que notre plein n'est pas très gros parce que vu qu'on le tient à une main quand même, on est bien musclé quand même le brin. Alors on se retrouve avec 3 machinistes dans le groupe. C'est pas un astromancien. Peut-être qu'au final je vais passer astro pour pouvoir essayer de guider. On perd pas mal de vie, et puis on faut qu'on le monte aussi l'astromancien. J'ai vu quelques astromanciens level 60. Du healing ça va, même si je peux pas trop donner mon avis, il y a quand même pas mal de fois où je tombais sur un astro bof. Hein. J'adore voir le pixel de vie fuir avec une horde de mobs. Oui non mais. En ce moment là il y a beaucoup de mobs et pas beaucoup de vie. On va peut-être switch un petit peu de job. Du coup, je vais changer le titre du... Voilà, parce que ça évitera le fail. Voilà. Donc on va partir pour de l'astro. On a aussi besoin de le hub. Tac, switching. Il n'y a pas assez de place libre dans l'arsenal. Des tailles de gueule. C'est sûrement ici que j'ai plus de place. Donc on va ranger un peu ça. Dans l'inventaire. Je rangerai ça tout ça plus tard, je verrai. Ah, il n'y a pas assez de place encore. Ah oui, là j'ai beaucoup de bordel. Oula. Il va falloir que je mette un petit peu de rangement dans tout ce que j'ai là. Encore pas assez de place. Tu te fiches de ma gueule. Alors, on va ranger ça là-dedans. Ça aussi. Pas assez de place. Là, il y a de la place, là, il y a de la place. Et là, il y a pas de place. Hop. Voilà. C'est bien, on a quelqu'un qui met des cuirasses à la volée. C'est génial. Mouah, le fail sac plein. Ah oui, mais le sac plein, c'est génial. Gros handicap. Donc on a un loop d'enfer. Franchement. J'espère qu'on va pas être en retard pour cette aléa.
secours, petit dragon. Dada, what? De toute façon, on est level 32 sur les deux classes, on change pas grand chose. Et voilà! Donc là, on va éviter, tout simplement. Et on va un peu DPS. Ah oui, tirage de cartes, attention, aléatoire. Bim! On est tombé sur. Ok. On va le mettre sur notre camarade de tank. Le trou, je vous rappelle, ça réduit les dégâts subis. De 10% il me semble pour l'instant. L'astro c'est le nouveau soigneur. Oui, c'est le nouveau soigneur. Avec deux stances particulières, je ne sais pas encore lesquelles exactement. Ça heal un peu moins bien que les deux autres healers. Mais ça a un gros avantage avec les buffs que ça peut donner. Attention, tirage de cartes. Donc là, on va piocher. Temps de recharge. Je sais pas, là, elle est magnifique cette histoire. Ça, je vais le mettre. Je vais le mettre sur lui par défaut. Parce que je sais pas en fait. Il me semble que ça peut être utile. Hein. On n'a pas d'AOE, c'est triste. On aurait pu essayer d'avoir. D'avoir tout le monde là. Alors, je vous rappelle que les deux premiers sorts, enfin c'est les sorts de cible, après on a les debuffs, le sort de zone, et encore on n'a pas tout vu. Pas mal de Dark Knight, peut-être qu'on devrait essayer un petit peu le nouveau tank, même si je suis pas une grande fanade de tanking. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? C'est trop encore. Ils sont déjà partis loin du coup. Gaspillage. Ah non. C'est pas fini cette aléa, what the fuck. On va se le mettre sur ce lapin là. Ah, mais c'est fini, je savais bien qu'elle était finie celle-ci. Ryuk-chan aussi s'est fait avoir. J'avais croisé un astro l'autre fois, il avait un buff sur lui, c'était petit hein. Et j'essaye de savoir comment il avait fait, mais je n'ai aucune idée. Je vois pas en quoi les termes. Là franchement ça me perturbe. Et le. Enfin, il était pas plus haut level que moi. Et il avait un truc en plus. Donc ça m'a un peu brainstuck comme on dit. Et je vois vraiment pas comment il a fait. Enfin bref, ça m'attriste. Alors. Ok, je me suis attiré tout l'aggro de la planète. C'est génial. J'aime beaucoup ça. Du coup, on va faire un petit soin de zone. J'ai encore l'aggro d'un mob. Il faudrait qu'il lâche, parce que ce serait pas mal. On fait des soins à 200, c'est pas dégueu encore, mais on peut faire mieux. Est-ce qu'on est en prestance du truc? Non, bon, du coup c'est pas un problème de buff. Ah, petit tirage de cartes. Hop là.
La tour, normalement, vous utilisez les coups de pépé. Donc, on va lui mettre la rue prochaine. Vous tirez une carte au hasard et vous éliminez une main. L'effet d'une seule carte peut être activé à la fois pendant le temps prochain tirage. Commence à la fin, vous fait à fond. Ok. Je vais regarder ce qui me semblait bien que tous les astros que j'avais croisés en haut de veille pouvaient mettre la carte sur tout le monde, sur tout le groupe. Ça doit être un spell qu'on a après. L'animation des sorts est vraiment sympathique, je trouve. En astro, ancien. Mais j'ai vu quelques sorts qui sont donc à post level 50, qui sont aussi sympathiques en mage blanc et en mage et en érudit. Du coup, là, en ce moment, il y a une petite bataille de qui est le meilleur heal et apparemment, d'après certains dires de certains, le mage blanc arrive à mieux tenir les tanks en vie. Mais bon, faut laisser le temps aux astros de faire leur preuve, j'ai envie de vous dire. Donc je répète, si vous avez des questions, je lis le chat, on est présent. Vous avez aussi mes réseaux sociaux juste en dessous et je dois vous laisser pour 17h30. Donc jusque là, profitez-en. Bonne nuit, Nina. Ah pardon, si vous avez entendu quand je vous ai dit, je suis désolée. Green espère. Du coup, on a le camarade tank qui perd beaucoup de vie. Un tirage de carte, la flèche. Mais il y a vraiment rien qui l'auto-attaque. Je suis pas sûre que les gunners ils ont de l'auto-attaque. Je vois pas très attention, mais. Il semble que non, hein. Oh non, j'ai été aggro. Non, mais je sais pas. J'ai rien fait, c'est pas moi le tank là, s'il vous plaît. Je suis pas spé tank, hein. Nope, 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 nope. Non, on a rien entendu. Non mais franchement désolé, je croyais que ça allait être discret mais apparemment un bâillement ça ne l'est pas. Malheureusement. Allez, on va remettre un petit lait. L'alimentaire. Vous avez certains aliments dans le jeu qui vous donnent 3% de pex en plus, franchement n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Même si c'est que 3%, c'est toujours intéressant, surtout quand c'est sur des aléas comme celle-ci, où vous tuez pas mal de mobs, ça fait 3% par 3% par 3%, et ça a vraiment un certain bienfait. Hein. Et puis ça se trouve vraiment pas cher, hein. Surtout les laits de bufflon, donc par exemple j'ai envie d'en dropper sur cet aléa là, donc de bonnes oreilles. Ah ben c'est toujours pratique dans certains cas, mais bon. On va DPS. Et j'ai même plus passé le moment en DPS que les pieux, c'est quoi déjà? Réduit le temps de recharge, je vais le mettre sur moi, tiens, c'est mon égoïste. Yeah. Le recrutement est encore en open. Allez, du lait de fun, sauvage, on va au taquet, youhou. J'aime bien les gens qui tapent les buts, du coup, qui sont hors aléa, quoi. Enfin, c'est quand même pas mal comme aucun. Oh, level up, génial! Notre prochain sort! Oh là là, je ne vous ai pas parlé.
Notre prochain sort est au level 34. Plus qu'un level et on a un nouveau sort. Dommage qu'on ne puisse pas voler dans cette zone, je vous aurais bien volé, montré le vol. C'est très agréable, le vol, ça change la vie. Franchement, en plus, on va tellement plus vite. Et puis, vous pouvez voir les maps de haut. Ils peuvent pas aggro le mob, de façon à ce qu'il soit le plus loin possible de tous ces adds à la première, là, je vais vous dire, parce que pour le coup, c'est vraiment un cas, c'est... Son rôle en plus c'est qu'il vient de son c'est des sacs de PV version vraiment vraiment relou. Alors on est parti pour rire hein, parce qu'il était pour les dégâts oui. Tiens Luna, en prenant le jeu je recommence tout ou je réactive le perso de la période d'essai. Tu réactives le perso que t'avais de ta période d'essai, en gros tu convertis ton compte en compte normal, c'est un truc du style, c'est une conversion, je crois. Donc non, tu perds pas ce que t'as fait, je suis que tu te reconnectes avec tes logs sur la station log, et à un moment t'auras un petit onglet marqué convertir, je sais plus trop quoi. Franchement c'est simple, hein, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas compliqué, hein, parce que moi... Tirage de la tour. Tiens, je tiens. On rappelle la tour, ça réduit beaucoup de PP. Bon, bah ils ont pas l'air de prendre de dégâts, on va continuer de PP à cette tour. Ok. Donc, c'est largement mieux comme ça que imagine que t'es obligé de tout recommencer. Ouh, ça va être mieux quand même. Et tu gardes aussi comment t'as été ton perso et quand tu rachètes un abonnement, t'as des bonus de récompense selon le nombre de jours que tu prends et tu peux avoir je crois que c'est 2 mois. Ou peut-être 1 mois. Ouais, 1 mois. Tu peux avoir un filtre de vision qui te permet en gros de changer ta race. Ou ton apparence grosso modo ça te change aussi le sexe, enfin, en gros tu peux tout changer, c'est des bonus de récompense que t'as plus tu rachètes de jours d'abonnement. Il y en a une en rang 1, tu achètes 1 mois, après t'en as 2 mois, après t'as 3 mois et après je crois que ça augmente plus, il me semble que c'est 5 ou 6 mois je sais. Mais c'est pas mal ce petit truc de récompense quand tu veux reprendre l'abonnement parce que au final ça te tue un peu mais... En gros cet espace goût amer d'avoir payé pour juste rejouer, c'est... Pardon. Je suis désolée. Non, je veux rester un homme. Bah tu peux le réutiliser au cas où tu veux le changer en milieu, ou tu peux le garder simplement de côté au cas où il y a une autre race qui sort comme les Aura quoi. J'en connais pas mal qui n'utilisent pas le leur alors que moi j'en cherche un. Et tu peux pas les changer donc fatalement... Voilà quoi. Ah tiens, petit cancer. Parce qu'on m'avait, on m'a dit, quand tu précommandes, tu as le droit à un filtre d'illusion, quand tu précommandes l'extension, etc. Et tout. Ça m'a vendu du rêve, j'ai précommandé, et au final, je suis fait avoir. Je suis plutôt déçue de cette histoire, mais ça laisse un goût amer. Oh, je me suis ramassé les dalles. Salut. J'ai pas envie d'avoir les dalles de pion moi. Moi je crois. Non mais échangeable c'est dommage. Oui. Il y a pas mal de choses qui sont non échangeables sur ce jeu. Plutôt comme We have time for Lupus. Mais oui.
Il vient tout juste d'apparaître, alors vu que je savais, c'est vrai que t'es pas le temps là. Si tu l'as pas, c'est vraiment que tu n'y es pas du sien. Bon, j'ai encore les adoptions. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Je ne veux pas de ces algues. Lâchez-moi les algues. Ok, je me casse. Taïo. Voilà. Allez, c'est bien, ramasse tous les algues. C'est pas moi qui les ai du coup. Ah, j'en ai un autre au fond. Mais c'est pas possible. C'est un complot. C'est un complot. Oula là là, ça pue. La balance. Ils sont pas avec moi les camarades. Bon. Moi je m'en fous, je fais une puce. Ils sont partis où en fait mes camarades? Ah, ils sont partis à l'opposé, d'accord. Oh oui, j'ai pas le temps. Donc les viandes, on peut pas les poser sur des cartes qui n'ont pas mon objectif. Ce qui est plutôt normal, j'ai envie de vous dire. Mais plutôt pénalisant. Par exemple, c'est ici. Si j'arrivais à... Enfin, si j'ai par chance à tirer la carte qui s'appelle le trou, je ne pourrais pas la poser sur le temps, parce qu'il faut qu'elle soit dans mon équipe. Et vu que là, mon équipe a décidé d'aller à l'opposé, mais... ça sert à rien que je tire des cartes pour le moment, à moins de tomber sur des pieux, il me semble que c'est le mieux. Mais là, ça relève de la chance. Alors, on va tester, savoir si c'est vraiment de la magie blanche. Pas du tout. Donc du coup, magie blanche est intéressant à prendre en cross-class. Magie Ponte, c'est quoi? C'est le sort qui permet de faire instantanément en fait, simplement. Tu peux aussi éviter les AOE, tu sais. C'est pas un bonus. Parce que c'est bien beau, je te dis, mais j'ai pas mana infini quand même. C'est qui a l'aggro de cancer, donc c'est vraiment lui hein. Il est un peu overbooké là, il y a pas mal de monde sur lui. Et j'ai presque plus de mana. Est-ce qu'il y a des gens de mon entour déjà, mes potes sont arrivés. Youhou, on va pouvoir tirer les cartes. J'ai quoi là? Cours en PM. Ah bah ça c'est nickel pour moi, c'est tout pile ce qu'il me fallait. On a pu récupérer un petit peu de mana, c'est pas plus mal. En même temps, on aurait pas fait la raid, sinon on aurait pas visé le combat. Pas lui l'endormi. Désolé l'ami, je l'avais pas vu tout de suite. En même temps, quelle idée de te prendre une AO. Oh, j'ai un mana du coup génial. Ouh, t'as pris une claque là. Non mais. C'est pas parce que je te dis qu'il faut te sentir safe. Hein. J'ai d'autres choses à gérer aussi, t'es pas tout seul. Hein. Le tronc, ah bah je me mets sur moi, attends. Parce que...
que je prends des dégâts à cause de cette table et que personne ne va récupérer. S'il vous plaît, j'ai un adoption, quelqu'un veut le prendre. Qui c'est qui sommeille là? J'ai vu un sommeil en coin plus. Merde, c'est ça, rien. Oh, j'ai étourdissement. S'il vous plaît, j'ai un ad, quelqu'un veut me prendre. Non, mais lâche-moi. J'y ai rien fait. Hein. C'est pas moi qui tue toute ta famille. Enfin, mais certes, hein. Eh, mais une colle au chien, t'as une crotte. Hein. Petit AFK. Ok, pas de soucis. Quelqu'un peut prendre l'aide, s'il vous plaît. Je le mets sur moi, je m'en fous, je mets tout sur moi. Allez, on a fini de... Oh là 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 là. Cancer down, cette putain de beau. Ah, j'avais pas fait attention à sa vie, mais au final j'étais surprise de savoir qu'il était déjà mort. Youpi, c'est pas plus mal, c'est une bonne chose qui se finit. Parce que cet ad commençait vraiment à me coller au fion. Pénible. Alors je ne vous dirai pas comment j'ai eu le dragon, mais sachez que ce n'est pas vraiment infaisable et que vous pouvez l'avoir grâce en faisant les pépés. Mince. Allez, parti, on va DPS. On n'a pas besoin d'être en mode autre chose ici. En théorie. Ah oui, juste en théorie. Alors, tiens, fais des dégâts la nuit. Elle est où la danseuse? Ah, elle est là. Parce que j'ai fait que je mette une cuirasse dessus normalement et j'ai l'or, tranquille. Heureux. Welcome back. Je finis cet aléa et après je vous dis adieu. À la prochaine surtout. Mais avant on va finir. On va aider la petite danseuse courtement vêtue. Regardez-moi ça. Et ça sort comme ça. Ah là là, mon dieu. Les jeunes de nos jours. Alors, le tirage du trou. Tiens, ça va être plutôt utile. Tiens, je vais te dire parce que je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse que la prochaine fois on essaye le Dark Knight? Il n'y a plus de musique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la musique est revenue. Oh, il y a eu un blanc de musique, c'était flippant. Et le temps de recherche s'en réduit. Là, je ne partage pas. Comment se fait-ce que tu perds des dégâts, toi? Tu perds de la vie plutôt. Ce n'est pas normal. Mais pas du tout. Ne me gêne pas, mais je pense qu'il faudra en discuter avec tes sacs pour la place. Oh putain, oui, c'est vrai. Heureusement que tu me le dis. J'aurais pas pensé. Il va falloir que je fasse du tri avant de pouvoir faire un prochain stream sur le Dark Knight.
De toute façon, c'est un truc qu'il faut que je fasse depuis un bon moment, mais... Oh, ben il y a du level light dans le coin. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent sur le stream. Donc, je vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux juste en dessous du lecteur. Je vais upload la vidéo le plus vite possible. Je vais éviter de le faire avant un stream si possible. Je commence à me un petit peu niquer la connexion tout à l'heure. Et j'essaierai de faire du tri le plus vite possible pour pouvoir essayer le Dark Knight. Parce que. C'est peut-être intéressant. Alors, on va te dire au revoir à nos chers camarades qui ont été bien gentils de faire une partie. Et du coup, à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à on est vendredi, donc mardi. Ciao, ciao!